OK. Protection du patrimoine. Je prends un exemple. Dans beaucoup de sociétés, il y a la... C'est un truc banal. La clé de l'entreprise. Qui garde la clé de l'entreprise? Qui est censé détenir la clé de l'entreprise? Il y a des entreprises, on ne sait même pas qui a la clé. Les gens arrivent le matin, c'est fermé, tout le monde attend. Qui a la clé, on appelle tout le monde. C'est dangereux de ne pas savoir qui a la clé de l'entreprise. Parce que le patrimoine est en danger. Limiter les risques d'erreur, les risques de fraude. Lorsqu'une procédure n'est pas concrètement définie à l'entreprise, il y a beaucoup de risques que peut-être un nouveau personnel arrive, il ne sait pas bien pratiquer la chose et puis commet des fautes, des risques et des fraudes bien possibles aussi. La bonne circulation de l'information, le moyen de procédure permet une bonne circulation de l'information en entreprise. C'est pourquoi je dis le moyen de procédure, c'est deux choses. Le contrôle interne et la formalisation. La formalisation, pourquoi? Une question. Ça, c'est pour les gens qui boivent l'alcool. Si vous prenez, par exemple, deux bouteilles de 33, vous buvez deux bouteilles de 33 sans publicité de boisserie, est-ce que ça aura le même goût? Exactement le même goût. Deux bouteilles de 33, comme ça, vous prenez même dans le même casier. Non, pas que vous mélangez, vous buvez même une après l'autre. Est-ce que ce sera exactement le même goût? Ça peut avoir le même goût si le process de fabrication était standardisé. Si le process de fabrication était standardisé. Tu es d'accord aussi, Kago? Moi, je ne suis pas très d'accord. Pourquoi? Cinq raisons. Je vais les lister comme ça. La matière première.